Jamel. Jamel, Abdallah, Abdallah, Jamel, Abdallah, Jamel. Voilà, Abdallah, enchanté. Comme mon rouya. Enchanté, Abdallah. Ça y est, Jamel. Je me suis converti. Quoi? Ça y est, je me suis converti au musulmantisme. Quoi? T'as coupé le petit oiseau? Non, pas le petit oiseau, l'aigle royal. Il vole au-dessus de l'Atlas, maintenant. Tiens, il est au-dessus de la dame, là-bas. Et t'as bien réfléchi, parce que ça repousse pas, ça, Franck, hein. J'ai bien réfléchi, Jamel. Ça y est, depuis que je suis à Marrakech, le Maroc est en moi. Je suis Maroc, je vis Maroc, je suis entièrement imprégné. Mon corps a pris la forme du Maroc, regarde. Tanger, Casablanca, Ouarzazate. Ah. Pourquoi tu fais tout ça depuis tout à l'heure, là, je comprends pas. Bon, je t'explique. Tu sais que ma femme est arabe. Oui, ça c'est vrai. Bon, mon fils est à moitié arabe. Moitié arabe, moitié du Bosque, c'est vrai aussi. Bah ce soir, Jamel, je joue très gros. Hein? Toute ma belle famille nous regarde à la télévision et pour eux, j'ai décidé d'être arabe. Je veux être arabe. Britnouli Arbi. Britnouli Arbi. Dis-le avec l'accent de trap si tu veux. Et tu vas le regretter, Franck. C'est mon alarme à moi. Il est d'accord. Tu penses comme moi, tu vas le regretter, c'est le seul français que je connaisse qui va devenir arabe. Marliche. Marliche, Jamel, je le fais pour ma famille, je ne peux pas le regretter. C'est pour ma famille, on regarde. D'ailleurs, j'ai besoin de toi, Jamel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faut que tu leur parles. Il faut que tu leur parles, faut que tu parles à mon beau-père, à ma belle-mère, faut que tu leur dises, voilà, ça va m'aider à l'acceptation de mon arabitude. Ils t'adorent, parle-leur, s'il te plaît. Tu veux que je m'adresse à ta belle famille? Oui. Lella. En arabe. En arabe, c'est ce que j'ai... Il a tchouf au final, il a fait ça. Santé. Ma tahtilo, je bintek. Had siyed msatti. Il a été dans le bain, ma tahtilo, jri. Parle-leur du petit oiseau. Ça y est, c'est fait, là. Choukran, Jamel. Avec plaisir. Choukran, tu sais quoi? T'es plus qu'un rouya. T'es un frère. Avec plaisir. Jamel, si jamais tu reviens à Marrakech, chez nous, tu seras toujours le marhaba bikoum. Merci, Franck. Pour prendre la taille. Yallah, Abdallah. Yallah. À bientôt. Jamel. Franck Dubosc. Salam alaikum. Franck Dubosc, mesdames, messieurs, on peut l'applaudir. Choukran. Tu parles arabe? Chouya. Et t'as pris où? Chouya. Tu te fous de ma gueule, là? Chouya. Mais non, c'est pas le propos de Jamel. Je te regarde là. Je te regarde depuis tout à l'heure, là, depuis 30 minutes, t'es ici. Tu t'agites comme un petit fou et tu ne t'es pas hydraté une seule fois. Mais ça, on s'en fout de s'hydrater là. On lance un spectacle, ça n'a rien à voir. Bissies, Jamel. Bissies, Bissouya. Bicool. Jamel, t'es à Marrakech. Il fait beau. T'es au palais Badi. Au palais Bahadia, devrais-je dire. Tu sais ce que ça veut dire, Bahadia? Tu sais ce que ça veut dire, Jamel? Bahadia? Oui, bien sûr. Ça veut dire la comparable. C'est ça. Tu sais. Exactement. Est-ce que tu sais qui a construit le palais Bahadia? Georges Moustaki? Bella Foumouk! Bella Foumouk, Jamel! Tais-toi! Tu es l'indigne héritier de la tribu des Almohavides. Mais il est fou, quoi, lui, là? J'ai rien à voir avec les Almohavides. Je suis trappe dans les Yvelines.
ماشي شغلي. Crabe les Yvelines, on s'en fout, Jamel. Tu es un jeune beurre de banlieue, c'est tout. Tu n'es pas comme nous, les vrais Arabes. Tu sais, tu dois connaître ton histoire, Jamel. Cheb Khaled, un chanteur connu à moustache, a dit... Khaled, Cheb Khaled, il s'appelle. Alors, c'est pas un jeune beurre de banlieue qui va m'apprendre à parler l'arabe ancien. Cheb Khaled a dit... Didi. Ce qui veut dire, ouais. Sache d'où tu viens pour savoir où tu vas. Et moi, Jamel, je vais là-bas. Attends, Franck. Tu vas où? Je vais rejoindre mes vrais rouillants. Tes rouillants. Oui, ah, oui, tu as raison, pluriel, mes rouillots. Ah, rouillants, des rouillots. Bien sûr. D'accord. Barakallah fik, public. Comment ça fait plaisir? Ça va, Aldine? Comment tu vas? Ça va, ça fait longtemps. La maître d'Allah. Écoute, je faisais mon petit marché près de Bab el-Mansour. On m'a dit que t'étais chez nous à Marrakech. Mahababik! Mahababik, Jamel! Artek Sahar, merci beaucoup. Mouklabes? Ça va, la baisse. بك لاباس لاباس الحمد لله صافا با لاباس خاي لاباس كلشي لاباس كلشي لاباس الحمد لله لاباس لاباس الحمد لله لا فامي لاباس لاباس صافا سي بيان لا باتي لاباس لا فوتشور صافا تري بيان الفستيفال لاباس فستيفال الحمد لله يا غينا ديال ميرسي بوكو سي بيان اي سينو تافا Ça va très bien, Franck. Ça me fait plaisir de te voir. T'es installé ici, alors ça y est. Ah ouais, ouais. Depuis le festival de l'année dernière, j'ai pas bougé. Depuis que j'ai... Ah, depuis la circonscription. Eh oui, quick. Et la circonscription, ouais. L'aigle royal s'est envolé vers la France et moi, je suis resté ici, diminué, mais heureux. Abdelallah. C'est super, ça. C'est quoi cette moustache-là? Jamel, ici, un homme sans moustache, c'est une femme. Ça fait... En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de te voir, Franck. T'es gentil, Jamel. C'est marrant que tu m'appelles encore Franck. Ici, ils le savent tous, on m'appelle le glorieux aux cheveux gris. Des remarques... Eh, regarde. Ils me l'ont tatoué sur le bras en arabe, regarde. L'hamar l'biad. L'hamar l'biad, qu'est-ce que tu veux, l'hamar l'biad? L'hamar l'biad! Je suis l'hamar. L'Omar Labiat! Et t'aurais pas un peu grossi, là? Starfellah, Jamel! Pourquoi tu dis ça? Attends, non, depuis que je suis ici, je fais très attention à ce que je mange. Le matin, le café avec les méchouquettes. Après... Méchouquettes? C'est quoi les méchouquettes? Ben, les méchouquettes, c'est des chouquettes, mais fourrées à la viande de méchoui. Je suis pas contre une petite corne de gazelle de temps en temps en dessert, ça... Petite corne de gazelle? Ouais. Une corne, mais t'as mangé la gazelle avec, Royal Show. Là, c'est des sabots, ah, on sent les sabots. Ah, tu me chatouilles. Hachem chouïa. Et ça va, t'as l'air de kiffer, t'es superbe. Je suis bien. Haddullah. Tu fais quoi de tes journées? Rien. J'habite ici, je te dis. J'ai quand même un planning. Le matin, je me lève. Je fais une sieste. Vers midi, je fais un sudoku. Ou deux. À 16h, je fais un petit peu de mobilette. Et puis sur le coup, dès 18h, 18h30, je m'assois sur un banc. Puis je réfléchis à la journée du lendemain. Voilà, j'ai tout un tas de trucs, quoi. Enfin bref. Tu t'emmerdes. Oui. Mais je suis bien. Mais qu'est-ce que tu manges, là? Un piment. Ah, j'adore ça, j'en mange des tonnes, moi.
Et ça te fait rien dans la bouche? Dans la bouche, non. Par contre, je peux plus m'asseoir. Tu sens la France, Jamel. La porte de la chapelle. Le square des Batignolles. Ah, les gorges du Verdon. Regarde, il y a un petit canot-kayak encore. La France, la France. L'accordéon, Michel Drucker, le chômage. RTL, pam, 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 pam. Jean-Paul Sartre, Nabila. La France te manque. Moi, si la France me manque. Oui. Toi, je te France, ça. Jamel. Toi, je te France, ça. Si on est... On donnait des vrais piments. Moi, depuis le début du sketch, je le sais, tu vois. J'attendais que ça monte au cerveau depuis tout à l'heure. Plus il déroule, plus il me regardait comme ça. Tu vois. Magnifique, c'est magnifique. Jamel. Dis-moi un numéro, Jamel. Je sais pas, moi, un numéro, tu veux quoi, 14. Calvados. Calvados. 54. Meurthe-et-Moselle. 82. Tarn-et-Garonne. 69. Pas maintenant. Tu sais quoi, Franck, je vais pas te laisser comme ça. La France te manque. Après le gala, il y a une kangou qui est garée. Tu rentres dedans, chut, direction Jouy-en-Josas. Jamais. Jamais j'oublierai ce que t'as fait pour moi, Jamel. Mansache. Mansache. Brakalaufik, ça veut dire merci chez nous. Mais je reviendrai à Marrakech. Al-Bibouk. La Marrabiab. Franck Dubosc, mesdames, messieurs. Franck Dubosc, Abdallah. Oh, oh non, incroyable. C'est dingue, t'es resté ici depuis l'année dernière. Ici, c'est mon pays, je ne partirai plus jamais. Arrêtez, Bladi, madame Chiche. Ça y est, je me suis installé là-haut dans les montagnes, je vis seul. Tu sais que j'ai essayé de te joindre plein de fois, je t'ai laissé 10 messages. C'est pas vrai? Bien sûr. Oh bah dis donc, attends, j'ai rien entendu. Je vais être sur mode vibreur. Attends, pendant que je te tiens, tiens. On va se faire un petit choufi. C'est quoi un choufi? Bah un choufi. Un selfie du bled. Allez. Allez, je l'envoie direct sur Twitter. Tu l'as tweeté là? Ouais. Ça fait plaisir de te voir, Franck. Vraiment, tu nous as pas oubliés, ça fait plaisir. Ah non, écoute, j'étais là-haut dans les montagnes et puis tout à coup, j'ai eu comme un appel, une vision. J'ai enfilé un costume et puis j'ai suivi cette étoile qui m'a conduit jusqu'à vous, tu vois. Ça, là? Ouais. C'est un avion, ça, Franck, ça? Ah putain, je me disais aussi, je suis essoufflé, dis donc. Super, cet accoutrement, là. On dirait une date fourrée à l'orange. C'est vrai, ça te plaît? Ah, c'est bon. Ah bah écoute, je pouvais pas venir à un gala comme ça, habillé n'importe comment, moi je suis à la mode, hein. De quelle année? Ah, le taquin. Ah non, mais ce qui fait moderne, c'est la moustache. Un mélange entre Freddie Mercury et Amel Bent. En tout cas, t'es beau, Franck, t'es canon. Ah, c'est l'amour. L'amour? Love, amore, el hab. En habek. Incroyable. Ah, bébé. L'amour, ça transforme. C'est qui? Je la connais. C'est la brune, là, l'auburn. Mais chut, chut, les autres sont jalouses. Regarde là, elle a entendu. Elle tend l'oreille, la coquine. Et le petit, là, c'est... C'est beau, les mélanges, hein. Le métissage.
Regarde, il a mes cheveux, là, puis mon nez. En tout cas, ça fait vraiment énormément plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'es pas au courant? Non. Ah ben, ils le savent tous. Je me suis lancé dans la musique, ça marche du feu de Dieu. Je fais du rail. Du rail? Ah ben, ici, ils m'appellent tous Chef Dubosc. Ah ben oui, enfin, écoute. Chef Dubosc? Oui. Quand j'ai vu les chefs, j'aurais dit Chef Berger au départ. Ah là, c'est mon groupe. Chef Dubosc on the Biquettes. Viens, je vais te présenter, viens, n'aie pas peur. Alors bon, bah là, t'as Coule Chèvre, Francis Cabri, puis les deux, c'est les choristes, là, Facebook et Nalbook. Facebook et Nalbook. Ouais. Les Books Brothers, quoi. Ouais. Et vous jouez où? Oh bon, on tourne, et puis quand on trouve une place, on se gare. On a fait un album, là. Comment ça s'appelle? Yana Soucible, Atténer l'amour. Tu connais pas? On a été numéro un dans toutes les chichas. Ah, c'est beau, c'est... Ah là, je suis m'chiette. Ah là, je retenais pour toujours. Yana Soucible, Atténer l'amour. Alors là, c'est magnifique. Je crame. Vraiment, c'est sublime, c'est beau. Hein. Je sais pas, je comprends pas. Et vous pouvez nous chanter quelque chose avec les Biquette Sisters, là? Ah, bien sûr! Hamid Abderrahman! Adieu! Hamid Abderrahman! Salut! Salam alaikum! Et c'est quoi le style? Ah bah, c'est du rail traditionnel, hein. C'est... nous, tu sais, ouais, on explore les racines de l'Afrique. Hamid, Athénée, un si bémol. Je crame. Arrête un peu, s'il te plaît, merci. Accroche tes mains à ma taille, c'est la chenille qui redémarre. En voiture, les voyageurs, la chenille part toujours à la... Mesdames, messieurs, Chef Dubosc et les chèvres chaudes. Du bruit! Du bruit! Barakala avec public! Hamid Abderrahman, Franck Dubosc, choukran Franck. La choukran à la wajib. C'est ainsi qu'Alban, Jamel et Fadza partir vers le futur pour sauver l'humanité. À peine avait-il quitté notre époque que le puissant, le vil, le méchant Dark Vador... J'adore la voix de cette femme. Oh! Dans la bagnole! Deux secondes, là! Jeunard! Hey, tu nous dis pas ça, hein, c'est pas le festival à ta mère, toi. Bien dit. Il est énervé, à mon avis, il est célibataire. Yeah. Ah, parce que sinon, je me casse et vous trouvez un autre narrateur, ok? Excusez-nous, madame, narrez donc. Bon. Le monde était tombé sous la domination d'un obscur personnage qui empêchait tout le monde de rire. Après avoir exterminé tous les clowns, les mimes et les ventriloques, ils mirent en prison les leaders de la rigolade. Heureusement, quelques résistants s'organisèrent pour rire en cachette. À leur tête, Frankie Banana. Solo. Ah, qu'est-ce qu'il fout de bordel, merde. Toute ma vie, j'aimerais le rock'n'roll. Le rock'n'roll, c'est ma vie. Waouh! Ok, c'est bon, entrez dans le futur. Oh, il est super ce mot de passe. Oh, j'ai cru que je te reverrais jamais. Oh, je suis là, putain. Voilà. C'est quoi ça? Ben, c'est l'élu remplaçant. Attends, je peux te parler, Alban, deux secondes? On n'avait pas dit Coluche? Oui, t'avais qu'à y aller, toi, en 2016. Il y avait que ça. Eh oh! Je te rappelle que je suis Frankie Banana, le chef de la Révolution, tu me parles sur un autre oui, ton. Tu m'as convaincu. Allez. Bah, ok, bah, je vais les tester. Le petit avance. J'ai pas dit le gros, j'ai pas dit le chauve, j'ai dit le petit. C'est donc toi l'élu remplaçant? Oui, Frankie Banana.
T'es drôle? Oui. Bah, je vais te tester. Fais-moi rire. Tiens, une tache, là. Hein? Pestache. Il est fort. Il était, t'étais fort, toi. C'est, je tiens ça de ma mère. T'es malaise, ok, les gars. Pour fêter ça, on va boire un verre. Ah, allez, un canon. Allez. Ça fait des moments, j'ai soif depuis tout à l'heure. C'est vraiment du bien de vous voir, les gars. Puis que vous êtes plus là, c'est pas pareil. Comment ça, on n'est plus là? Ils sont pas au courant? Bah, si je leur avais dit, ils seraient pas venus. Oh, bordel. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les gars. Quoi? Bah, dans le futur, y a plus d'arabes. Quoi? Plus d'arabes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Donald Trump, quand il est passé. Sa première mesure, ça a été de transformer les arabes en gobelets. J'ai plus dans un arabe? Ouais. C'est incroyable. J'entends du rail! Il n'y a plus d'arabe? Plus d'arabe. Plus d'arabe. Tu étais un arabe, j'étais un arabe. Nous étions des arabes. Plus d'arabe. Tu étais un arabe, j'étais un arabe. Chez l'épicier, et s'il s'y fermait, t'y vas chez le boucher. Et s'il s'y fermait aussi, c'est qu'il y a plus d'arabes. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Et n'oublie pas la monnaie. Plus d'arabes. Tu étais un arabe, et j'étais un arabe. Nous étions des arabes. Oui, oui, message de paix pour tout le monde du hip-hop et tout le monde des arabes. Ouais, ouais. Il n'y a plus d'arabes. Oh, c'est pas une si mauvaise nouvelle. Non, on a réussi à faire sans. On n'attache plus les vélos. Bon, allez les gars, on perd pas de temps. On va attaquer Dark Vador. Allez, venez, poussez la bagnole. Après, on est au Marrakech du Rire, on n'est pas aux Oscars. Hein. Toi. Rouya. Madame. Madame. Madame, faut pas rentrer. C'est pas madame. C'est Franck! Franck! Rouya, qu'est-ce qui t'arrive? Non! Je ne suis plus ton Rouya. Je suis ta Rouillette. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est à cause de toi. Je m'étais installé au Maroc, vous le savez tous. J'étais bien, j'étais là. J'étais marocain jusqu'au bout des babouches. Et puis, voilà, le Marrakech du Rire. Je peux plus faire un pas devant l'autre. Dans la rue, les gens sont là. Franck Dubosc! Franck Dubosc! Je suis une idole, alors... il a fallu que je me... Il a fallu que je me cache, alors je me suis déguisé en femme. Je suis devenu une bourgeoise de Casablanca. Voilà. Comment tu te sens, là? Mais je me sens bien, je m'éclate. Je m'éclate, j'ai enfin découvert la part féminine qui est en moi, elle est énorme. Et tu vas tout faire? Tu vas couper le... T'es fou, quoi? Jamais. Jamais l'aigle royal ne deviendra colibri, Jamel. Non. Moi, je suis une femme dans ma tête. T'as peur? Mais il n'y aura jamais assez de place dans ta tête. Ah, bravo, ça, c'est un humour de mec. Il n'y aura jamais assez de place dans ta tête, Jamel. Ça va ou quoi? Non, tu sais, c'est difficile d'être une femme. Faire pipi assis, être moins payé que les hommes, avoir du mal à faire ses créneaux. Ouais, c'est ça. C'est pilé à la cire d'abeille, regarde, il m'a fallu deux ruches. Et il y a encore la reine. Bah oui, tu vois, elle reste coincée là. Changer d'avis toutes les 5 minutes. J'ai froid, j'ai chaud. Ah, c'est difficile d'être une femme, Jamel. Parce que quand ça va pas, ça va pas. Mais quand ça va, bah ça va pas. Parce que ça va, puis ça peut s'arrêter. J'ai chaud, j'ai froid, je t'aime pas. Je l'appelle pas. Si je l'appelle, je suis une conne. Si je l'appelle pas, je suis une salope. J'ai faim parce que je suis grosse. T'as pas vu ma coupe de cheveux, tu me regardes pas. Me regarde pas! Je l'aime plus, j'ai froid, j'ai chaud. Hey Franck, je te jure, t'es devenue chiante. Hein. Ah, merci. Enfin un compliment, barakallahu fik. Tu sais, non mais je vais te dire, Jamel, tu devrais essayer d'être une femme, c'est génial. Toi, tu serais une jolie petite brune bouclée, là. Edith Piaf. Edith Piaf et Monica Bellucci, prenez des photos. Les femmes souffrent, Jamel.
Elles souffrent et j'ai décidé d'être leur porte-parole. Oui, mesdames. Merci. Pour l'instant, t'as plutôt décidé d'être leur porte-manteau, hein. Et qu'est-ce qu'elle en pense, ta femme? Bah, c'est devenu ma meilleure amie. Je te jure... Bah non! Avant, je l'écoutais pas. Bah maintenant, je passe des heures à discuter avec elle, des heures et des heures. Et alors? Ah bah, j'ai compris pourquoi je l'écoutais pas, fiante. Mesdames, c'est la partie la plus dure, faut que j'avance. Mesdames! J'ai honte. J'ai du mal à écarter les jambes, bref. J'ai honte, il regarde ma culotte en plus, j'ai rien. J'ai honte d'avoir été cet homme qui pouvait dire à une femme comme ça, sans réfléchir, j'aimerais être une prison pour t'enfermer à l'intérieur de mon cœur. Oh. Mademoiselle, n'êtes-vous pas fatiguée de courir dans mes rêves? Je voudrais être une clé à molette pour m'accrocher à toi pour l'éternité. Oh, j'ai honte. C'est joli la clé à molette. Ouais. Ça vient d'où? Castorama. Non, c'est fini tout ça. Mesdames, mesdemoiselles, j'ai compris, vous êtes l'avenir, vous êtes le centre du monde. Un jour, vous descendrez dans la rue toutes ensemble. Pour lutter contre ce monde misogyne, vous prouverez aux hommes votre indispensabilité dans ce monde qui est déjà le vôtre. Par contre, ça sera pas en janvier, hein. Pourquoi pas en janvier? Alors, janvier, c'est les soldes, elles ont autre chose à foutre. Mais... Elle youyoute! Elle youyoute de plaisir! On youyoute toutes! Moi aussi, je peux youyouter! J'ai appris à youyouter, moi aussi, Jamel! Oh. T'as appris à quoi? Oui, à youyouter dans une école de you avec Kamel Wally. Oui! Et vous youyoutez comme ça pour rien? Ah non, Jamel, non. Une femme ne youyoute jamais pour rien. Si tu ne t'étais pas mariée à une Française, tu le saurais. Et tu devrais essayer de youyouter, toi. Youyout, ça va te faire du bien, vas-y, tu vas lui faire plaisir. Vas-y, youyout, le youyout est au fond de toi, dans ta chaussure, vas-y. Remonte le youyout qui est en toi, sors-le. Sors-le youyout, il est là, je le sens. Je le sens, youyout, 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 c'est bien. Non, ça c'est... Ça youyout. Ça youyout, vache espagnol, ça. Youyout, vas-y, aidez-le, mesdames. Aidez-le à youyouter un peu, vas-y, youyout. Oh, c'est beau, merci. C'est beau. Merci, mesdames, merci. Je vais pas pouvoir traîner ici, j'ai du repassage à faire, je vais y aller. Mais avant ça, je voudrais juste vous dire une chose, mesdames, mesdemoiselles. Merci pour vos you-you et ce que j'ai à vous dire, tiens, en deux mots, moi aussi, I love you-you.